Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tier list sur le Tour de France 2023 qui vient de s'achever. Alors on se tourne vraiment, on est le soir des Champs-Élysées. Et donc voilà, les 3 semaines sont passées. Il y a un peu de la petite tristesse de fin de tour. Mais on est là pour faire une tier list qui va nous permettre de parler vraiment du tour dans sa globalité et les petites équipes dont on n'aurait pas forcément parlé si on avait fait un débrief plus général. Alors aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Anto, Salut Igot! de Pitouche Salut tout le monde! et de Raph. Salut salut! Bon, voilà, je pense que vous connaissez le principe de la tier list. On a toutes les équipes qui ont participé au Tour de France et on a différentes catégories. Donc, on a la catégorie GOAT, très bon, normal, tricycle et fraude. Voilà pour les équipes qui ont le plus raté leur Tour de France. Bon, je pense qu'on va aller dans l'ordre sur lequel elles sont présentées, donc ça doit être l'ordre alphabétique, quoi, c'est ça. Et on va donc commencer avec une équipe française, AG2R Citroën La Mondiale, une équipe qui a gagné grâce à Félix Gall. Les gars, où est-ce que vous mettriez AG2R? Moi, je mettrais AG2R dans très bon, même ouais, à la limite avec GOAT. GOAT, je pense que c'est quand même pour les top teams, mais très bon parce qu'on les attendait peut-être pas à ce niveau. Ils gagnent une étape, Félix Gall fait un super super Tour de France, et ça serait juste simplement une maigre récompense de les mettre dans très bon, même. Moi, Ouais, moi, je suis je un peu suis du même. d'accord. Bah, Vas-y. Vas-y, toi. je suis d'accord, surtout que je voudrais juste rajouter, enfin, tout ce qu'a dit Anto, je suis d'accord, mais je voudrais rajouter aussi le fait qu'ils partent avec un leader qui est Ben O'Connor. Et ça se passe pas bien, ça se voit, on le voit directement que Ben O'Connor est pas dans le coup. Et ils arrivent quand même à réadapter leur stratégie. Ils vont chercher une victoire d'étape, ils vont chercher un top 10. Voilà, ils étaient mal partis et ils arrivent à tourner ça quand même en un très bon Tour de France. Donc cette catégorie est pour moi la bonne. Ouais, moi je suis du même avis, je pense que c'est très bon. Voilà, en plus Félix Gall, un des nouveaux coureurs dont je vais être le fan d'ici les prochaines années. Juste en vrai, j'ai peut-être une petite déception du côté de AG2R. Ils avaient certains coureurs qu'ils auraient pu envoyer plus souvent en échappée. Alors, je vais pas faire du fanatisme ni rien, mais je pense qu'en vrai, ils auraient pu envoyer Cosnefroid en échappée. Je pense qu'ils auraient pu envoyer du Paré-Peintre. C'est vrai qu'on a assez des coureurs. Berthet, on avait quelques fois en échappée, mais je trouve qu'ils ont pas assez, ils sont pas assez montrés en échappée sur des profils un peu plus plats, vallonnés quoi. C'est juste le petit bémol, mais sinon ouais, le Tour de France il est parfait dans son intégralité, un top 10 et tu gagnes l'étape Rennes, donc franchement ouais, très bon. Ouais, bah je suis là. Moi, je pense que tout le monde est d'accord pour les mettre en très bon, en tous les cas. Ouais. Juste en petit bémol, c'est sûr, Paré-Peintre, mais Paré-Peintre c'est quand même pas facile pour lui d'avoir enchaîné. Je sais pas Ouais, si bien c'est sûr. toi qui l'as enchaîné Tour de France et Giro. Bah oui, bah oui, bien sûr. Il a gagné une étape au Giro, Ouais, il y a une rappelle-toi. étape sur le Giro, il était un peu mort. Donc bah forcément, il n'arrivait pas en grande condition. Non, Voilà. franchement, super tour. AG2R, bravo. Très bon, AG2R, ouais, on super. aurait pu le descendre peut-être pour la tactique de Félix Gall sur la dernière étape de montagne, mais bon, on va C'est ça. fermer les yeux Ouais. dessus. On n'est Parce que pas. On n'est pas comme ça non plus. Au final, ils font quand même deuxième de l'étape. Donc si on pense. Objectivement, bravo à eux. Après, bravo, bravo à eux, et c'est une équipe, ça fait 4 ans d'affilée qu'ils gagnent une étape au Tour de France. Et Je pense que certes. si on était au bac, on leur mettrait mention très bien. Voilà. Ouais, peut-être mention bien, proche de la très bien. Ouais. J'ai une autre petite déception, juste rapidement, c'est Nance Peters, que j'aurais bien un peu plus voir. C'est vrai que Nance Peter, ça a été totalement invisible. Transparent, ouais. On passe au suivant? Ouais, on passe au suivant, donc Alpecin de Koenig. Donc bon, encore une équipe qui a gagné, mais pas qu'une seule fois. Donc Philippe Sem qui gagne 4 étapes plus le maillot vert. Donc je pense que là, ce sera sans appel. Pour moi, c'est le tour parfait pour Alpecin de Koenig. Ouais, c'était obligé de les mettre en GOAT parce que, alors certes, on n'a pas trop vu Van Der Poel, on a vu que il y a que Philipsen qui a brillé globalement, mais ses 4 victoires d'étape, c'est un presque sans faute sur les sprints. Donc oui, forcément, c'est top niveau. Ils ont géré parfaitement toutes les situations dans les sprints, donc voilà, c'est mérité tout en haut de la classe. Ouais, je Ouais, suis d'accord. je suis du même avis.
Après, ouais, bien sûr, bah voilà, c'est le seul regret, c'est qu'on n'ait pas vu Alpecin plus en échappée, mais en vrai, c'est totalement normal. Tu as le meilleur sprinter du monde, tu n'as aucun intérêt à en échapper, tu veux absolument faire enfin, parce que tu sais que si tu vas au sprint, tu as 90% de chances de gagner. Donc, en vrai, pour moi, Alpecin, le contrat est totalement rempli. Juste, un peu déçu de pas avoir vu un VDP plus en forme, qui aurait pu un peu plus animer la course, mais pour moi, Alpecin, ils ont totalement rempli leur objectif et je pense même qu'ils ont fait à. Ils ont même fait. Au-dessus de leurs espérances. Donc, ouais, pour moi, c'est du GOAT totalement mérité de la part pour Alpecin. Ouais, c'est ça, c'est au-dessus de ce qu'ils attendaient, je pense, parce que bah ils s'attendaient à que ce soit un peu plus disputé pour les sprinters. Malheureusement, Jakobsen abandonne. Mais non, du coup, bah, Philipsen à lui tout seul amène Alpecin en GOAT. Et puis Van der Poel, il n'avait pas besoin du coup de faire un grand Tour de France, vu que de toute façon Philipsen prenait toute la lumière et réussissait à lui tout seul ce Tour de France. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de tergiverser plus que ça. GOAT pour Alpecin. Je pense que tu es d'accord avec nous, Hippo. Ouais, je suis totalement d'accord. Et ça va peut-être un peu aussi, d'ailleurs, on va dire, trancher avec la prochaine équipe, Arkea, qui de son côté a quand même été un peu moins visible sur le Tour de France. Dédicace à Louison, membre de la chaîne aussi. Ouais, voilà, Grand fan. grand fan d'Arkea. Et ça a été compliqué le Voilà. temps pour Arkea Très cette année. compliqué. Hein. En Et fait, le compliqué pour problème Louison. avec Arkea, je trouve, c'est que, bon, déjà, la start list, je la trouve vraiment bof. Parce que en vrai, Arkea, ils ont quand même un effectif assez bon. Ils ont 10 000 sprinters et ils auraient pu en mettre plus qu'un seul. Et en plus, un pour moi qui a des mois bons, Mozzato. Je pense qu'ils auraient pu te mettre du Jente Biermans ou même plein d'autres personnes. Decker, je sais pas s'il était remis, mais en vrai, peut-être tu aurais pu remettre Decker qui était très bon sur Giro. Pour moi, même en vrai, même en montagne, tu aurais pu faire mieux que ça. Au final, ils ne montent même pas tant que ça sur les échappées. Ils ne montent même pas le maillot si régulièrement que ça. Heureusement, t'as Barguil qui fait une bonne fin de Tour de France. Mais pour moi, franchement, là, c'est de la fraude assurée, quoi. Je sais pas pour vous, mais. Ouais, moi, Trissig, je pense, parce que Barguil sauve un peu leur Tour de France. On les Ouais, voyait mais. vraiment par semaine, et puis ils prennent quand même dans les étapes un peu inutiles. C'est eux qui sont échappés. Alors, c'est sûr qu'ils s'échappent pas sur les bonnes étapes, mais Barguil, hier, Pas il peut tant que ça, gagner. j'ai trouvé, hein. Si Barguil gagne l'étape d'hier, parce que bah, si les favoris reviennent pas, c'est Barguil, je pense, qui peut gagner. Donc, Ouais, mais s'il gagne au final. quoi? Non, il gagne S'il gagne pas. pas au final, je veux dire. Tu vois, si on compare avec FDJ, on en reparlera tout à l'heure, mais ouais, non, il y a quand même le podium, le classement général de Gaudu. Mais Oui. ok, ils font pas un grand Tour de France, mais je pense qu'il y a quand même pire qu'eux, quoi, donc sur ce Tour de France. Pour toi, il y a pire qu'Arkea? Ah, pour moi, non. Enfin, en fait, pour Pour moi, moi, il n'y a pas pire qu'Arkea j'en du tout. attendais rien. Et tu vois, Intermarché, je suis quand même déçu parce qu'ils ont, je trouve qu'ils ont jamais tenté de prendre l'échappée. Qu'ils étaient jamais dans les bons coups, contrairement à une équipe comme Total, on y reviendra. Mais est-ce que Intermarché et Astana font un meilleur Tour de France qu'Arkea? bah pour moi, oui. Astana au moins, est-ce que Arkea fait moins un top 5? Alors, je crois qu'ils font un top 4 avec Mozzato, mais Bah, au ils font. moins Astana, t'as Cavendish qui fait quelques belles places sur le sprint. Ouais. Au final, Astana, je les ai quand même vus, perso, en montagne, plusieurs fois, ils ont montré le maillot, même si Lutsenko, c'était pas du grand Lutsenko. Il te prend régulièrement les échappées. T'as Sanchez, non, Sanchez, De La Cruz, qui prend quelques échappées. Astana, Ouais. moi, je les ai vus. Arkea, je suis désolé, même sur le plat, pour moi, les équipes comme ça, comme Arkea, les équipes invitées, enfin, non, invitées, des équipes qui n'ont pas beaucoup montré cette saison, Arkea, UnoX, Total, des équipes qui, dès que les étapes plus plat, bon, même si tu sais que tu vas arriver au sprint, tu montes le maillot, tu vas devant, tu vois. Alors, même si jamais ils l'ont fait une fois, je crois, avec le gars, qui me semble, pour moi, ils l'ont pas assez fait. Et Avec le pour gars. moi, Arkea, ouais, c'est la Avec pire équipe du Tour de France, Arkea. Ouais, on a vu quand même ouais, Guglielmi qui s'est montré quand même ce début Tour de France, on connaissait pas trop Ouais. et voilà, c'est quand même une petite satisfaction. Mais ouais, je pense que Warren Barguil se réveille entre guillemets trop tard. Il finit vraiment bien ce Tour de France, mais il était complètement absent des premiers jours. Ouais, je sais pas, j'hésite entre Tricycle et Faude, j'étais plus parti sur Tricycle également, mais. Ouais, je peux parce que à la limite les attentes n'étaient pas trop élevées. Donc Ouais, c'est pour ça que je trouve mais. ça dur de les mettre tout en bas. Ouais, je sais, Mais mais le ouais, je. problème, c'est que. Bah, ils n'ont jamais rien fait. Ils ont. Enfin, les attentes Voilà, n'étaient enfin, pas moi. élevées, mais moi j'attendais prendre l'échappée, quoi. Moi j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais pris l'échappée, honnêtement. Voilà, et en Qu'ils plus, étaient je crois jamais que devant. aucun de leurs coureurs
T'as des équipes qui ont fait des Tours de France, un Tour de France pas ouf, mais qui au moins ont montré qu'un coureur a fait une prépa. Là, Ogier, ils sortaient tous d'un double grand tour. Des coureurs qu'on avait l'habitude de voir en forme, je les ai trouvés franchement moyens. Pour moi, franchement, Arkéa, c'est la. Bon, en vrai, même si on peut dire la start list, pour moi, la start list fait partie du Tour de France. Le Tour de Ouais. France, une équipe, elle est censée, surtout quand tu es une équipe française, t'es Et censé même mettre Clé. la meilleure start list que tu puisses de tous les temps. Au final, la start list, je suis désolé, mais quand c'est. On a l'impression que c'est le tour du Rocamadour, la start list. Désolé. Tu dois mettre mieux que ça quand tu fais le Tour de France. Ah, surtout que Il est pas Clément con, Champ mais. en est quand même un petit peu plus. Il fait aucun top 10 sur ce Tour de France, mais même pas de top 1. Même en échappée, enfin, Champoussin, je sais Même même pas s'il a pris une échappée. Je ne il fait sais un même pas s'il a super pris une échappée. il fait un super Dauphiné, il fait 20e du général, deux top 10, donc dont une quatrième place. Enfin, on pouvait attendre bien mieux de Clément Champoussin, donc proto en forme à mon avis, comme beaucoup de coureurs hein, d'ailleurs. Mais bon, c'est un peu dommage. Et oui, même Mozzato, il fait ce qu'il peut parce que bah c'est pas on sait bien que c'est pas un des plus grands sprinteurs du monde, quoi. Mais Bah. bon, on pouvait Moi, du coup, un. je les mettrais quand même en fraude parce que même si c'est peut-être Oui. c'est un peu dur, mais en fait, je vois pas qui mettre en dessous de Arkéa, donc je pense que Non, ça va partir en fraude. lui, on met Il tout le fait monde en dessous. quatrième. Ouais. Il fait quatrième à Bordeaux quand même, hein, Mozzato. Donc il y a un Oui, peu de ça. mais si jamais Oui, tu te réjouis que de ça, jamais tu te réjouis que de ça, c'est qu'il y a quand même un gros souci. vas-y, Oui. vendu. Vendu, et puis on va pouvoir passer à une autre équipe un peu dans la même dynamique au Ouais, final. dans le même délire. C'est Astana qui a été. Relativement transparent. Ils n'ont pas eu de chance avec l'abandon de Cavendish, mais même derrière, Ouais. Lutsenko a été vraiment très mauvais. Pour moi, c'est Mais entre bon, tricycle et au moins fraude. ils se sont montrés. Au moins ils se Ouais. sont montrés. Peut-être qu'ils se battent Ouais, leurs équipes sur une placette. Au ils ont moins ils se sont animé montrés. l'équipe là, souvent Lutsenko, donc ouais, c'est vrai qu'il était pas si invisible. Et puis Chase Ball fait quand même un bon sprint Voilà. aujourd'hui. T'as Tejada qui fait quelques étapes pas mal. Bah, c'est sûr qu'on pourra regretter l'abandon de Cavendish qui fait deuxième à Bordeaux et qui aurait Et peut-être puis pu en claquer. plus, voilà, c'est ça. Pour moi, Sana, tu ne veux pas les mettre en fraude. Tu les mets Tu en peux pas les mettre en tricycle. fraude, moi. Oui, Mais tu peux pas. Je pense Pour moi, c'est que du tricycle. bah, c'est un Tour de France vraiment neutre et Ouais. bon, c'est. Pour moi, c'est ce qu'on fait de pire dans le tricycle, Astana. Ouais, Ouais, je pense que ce sera ok. les derniers tricycles. C'est vraiment à la frontière, Voilà, quoi. c'est ça. Ouais, voilà. Contrairement au prochain. Contrairement au prochain, Ouais. le prochain, voilà, Bahreïn, trois victoires d'étape. Donc Bilbao, Woodpulse et puis Mohoric. Donc bon bah je pense que le tour est réussi. Après il y a peut-être le bémol Ouais. du général. Ouais, Landa qu'on attendait plus en forme après c'est quoi, il a fait le Dauphiné ou pas? Il fait le Dauphiné ou pas, Landa? Je crois que oui, il fait le Dauphiné, oui. Bah, dans tous les cas, moi j'ai son souvenir de son. Bon, c'était il y a longtemps. Hein. Tour du Pays Basque où il était excellent. C'était le seul qui pouvait suivre Vingegaard quand ça montait. Donc, ouais, Landa, je pense que tout le monde attendait plus de lui. Je pense qu'en vrai, moi j'aurais mis dans GOAT. Je sais pas si vous me dites si vous partagez mon avis. Moi oui. Mais moi, je l'aurais mis en GOAT seulement si jamais ils auraient fait un petit top 10. Pour Ah, moi, bah, voilà. pour moi c'est en goutte, mais. Il rate son Dauphiné, hein. Il est Il rate son 22, Dauphiné? 22e du Ok. Dauphiné. Pour moi, c'est GOAT, hein. T'as trois victoires d'étape, trois coureurs différents. Oui, clairement. Tu fais quand même. Il fait combien Bilbao? 6, 7? Je sais Ouais, plus. je sais pas Bah oui, si. ah oui, j'ai oublié Bilbao. Eh ben oui, bah GOAT. Il fait. Oui. Il fait sixième, ouais, il fait sixième. Ouais, c'est Enfin voilà, sixième et puis t'as tout. en étant impressionnant, ouais, donc Ouais, non, GOAT, pour moi c'est ça. GOAT et c'est pas. Enfin, je Oui, trouve pas ça discutable. oui, oui. C'est. Je vais totalement oublier le top 7 de Bilbao, donc GOAT. C'est marrant parce que Bahreïn, on les attendait peut-être pas trop en ce Tour de France. Mais finalement, Ah non, ils ont fait un gros Tour de France. Bah, ils se sont pas trop focus sur le général. Ils ont réussi à s'en détacher. Et du coup, ça leur a permis de ouais, faire un gros Tour de France, quoi. mais. C'est là où la différence est folle avec FDJ. Ouais, on en parlera plus tard. Là, Ouais, mais tu vois, t'as une équipe qui se focus sur le général, t'en as une qui veut pas et qui finalement fait quand même sixième. Donc, c'est quand même assez incroyable. Bah Donc, bravo. la prochaine équipe a aussi, pour moi, très bien réussi son Tour de France. C'est Bora, donc, qui gagne avec Hindley plus maillot jaune. Et puis aujourd'hui, la surprise, Jordi Meus qui vient gagner sur les champs. C'est incroyable. Moi, je m'y attendais pas. Honnêtement, je voyais bien Hindley faire podium. Et au final, je pense qu'il a limite fait mieux qu'un podium.
Non. Bah non, du coup. Ah, bon, moi je pense que si, moi une étape et le maillot jaune, Mais c'est mieux qu'un podium. pour moi, ils vont dans très bon parce que ils font un super Tour de France, mais c'est pas du niveau d'Alpecin ni de Bahreïn. Ils ont fait une super victoire d'étape, mais après Hindley, depuis qu'il est tombé, c'était quand même plus le même Hindley. Et on avait le droit, je pense, d'en attendre un tout petit peu plus quand même de lui, du coup, en dernière semaine, Ouais, mais pour je pense que commencer. ça chute là vraiment. Voilà, ça a Ouais. vraiment affecté, je pense. Après, du Ah, coup, bah, bravo aussi à Jordi Meus qui fait une super dernière étape. Et En vrai, bah, même en vrai, en dehors de ça, pour moi, Jordi Meus, il fait un bon Tour de France, hein. ouais. Bah, il justifie pleinement sa place à la place de Sam Bennett, hein. Voilà, je veux dire. Mais du coup, vous êtes plutôt en goat ou un très bon? Pour moi, très bon. Parce que les deux premiers, franchement, c'est vraiment excellent. Pour moi, c'est plutôt bon. Moi, j'irais dans très bon aussi, mais dans le très haut dans Voilà, cette catégorie. Parce devant que, Yelezer. en fait, je ne sais pas comment ça dépend de comment vous souhaitez classer tout ça, mais à mon avis, Hindley avait un potentiel podium qui perd à cause de sa chute. Donc, est-ce que c'est vraiment imputable à l'équipe? Je ne sais Ouais, pas. c'est ma. Mais si on juge les résultats, c'est top 7 d'Hindley, victoire d'étape, maillot jaune, Meus qui gagne sur les champs. Donc c'est forcément très bon. Ça aurait été GOAT peut-être si Hindley accrochait Un top 5 ou le un top 5 podium. au podium, quoi. D'accord avec Ouais. toi. Et puis aussi, l'équipe a un peu disparu, entre guillemets, en troisième semaine, quoi. À cause aussi de la chute d'Hindley, mais même Bourman et tout, ils ont totalement disparu pas une fois Vraiment, que c'était très bonne passé. cette première semaine, c'était exceptionnel. Hein. Un Bourman et tout, très 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 grosse bon. première semaine. Heureusement pour lui que le Tour de France ne dure pas un peu plus et que je pense qu'il aurait encore un peu dégringolé au classement général parce qu'il perdait quand même Mais du pas coup, mal de points dans ce on le cas-là. met en très bon, mais voilà, très bon vraiment, à la frontière avec Goat, ça joue pas grand-chose, quoi. Et Devant Yelezer, quoi, vas-y. la prochaine équipe, c'est Cofidis, et donc qui a réalisé un Tour de France exceptionnel, deux victoires d'étape, alors qu'ils n'avaient pas gagné depuis, je sais pas, 15 ans. C'est fou, quoi. Il est totalement réussi, ce Tour de France, on est d'accord. Ah oui, en plus avec un top 10 de Guillaume Martin. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est ça. Il y a tout pour dans leur Tour de France. Brian Cocquart, dommage Pas qu'il top. n'ait pas accroché une victoire. Bon, après, c'était quand même beaucoup des sprints massifs. Il y a eu un sprint où c'était un peu un sprint en montée. Et là, on l'aurait attendu un peu mieux, je pense. Ou Bah celui Pedersen. Ouais, de c'est. Limoges. Limoges, Mon... Cocquart, pour Je moi, me... c'était totalement le type de profil où il peut gagner. Ouais. Donc, c'est un peu la déception. C'est pour ça que pour moi, c'est pas GOAT. Mais c'est pareil, c'est dans du très bon. Et je pense que suivant, moi je les mettrais presque devant Bora parce qu'on n'attendait pas par rapport à ce qu'on attend aussi. Il faut prendre en compte que t'attends de Ouais, l'équipe. je suis d'accord. Bah, Et par moi rapport. je les mettrais en goutte, hein, honnêtement. Bah, Enfin, moi ouais. aussi, Moi, en fait, la en question fait, que j'ai, si les attentes. Je sais pas, si on prend en compte les c'est. attentes de Ouais, l'équipe qu'on avait avant le Tour de faut les France, prendre en compte. enfin, Hein. ils ont explosé leurs attentes. Enfin, si. Ah oui. Si tu te dis Bora par exemple, à la fin du Tour de France, ils ont deux victoires et un top 7, je dis ok, mais si tu dis genre Cofidis a deux victoires d'étape, enfin, t'y crois à peine, pour dire même t'y crois pas, et là ils le font, voilà, c'est absolument magnifique ce qu'ils ont fait. Hein. Moi, il y a un truc qui fait que j'aimais pas dans GOAT, c'est que bah, en fait, Bahreïn, eux, bon, on n'en a pas trop parlé, mais ils avaient fait Baos. Et Baos, il était très très chaud. Cocquart, en vrai, je pense que ce qui pêche un peu là, on peut dire, c'est le sprint un peu. Mais en vrai, pour moi, qu'ils aillent dans GOAT ou très bon, c'est soit le meilleur de très bon, soit le pire, enfin le pire de GOAT, quoi. Je vois ce que je veux dire, mais. Bah moi je l'ai mis en goal, je sais pas où. Ouais, Moi aussi. Ouais, je pense. ouais, je pense. Après, Oh, moi aussi, allez. c'est pour les Il y a deux féliciter de leur motifs. travail aussi. C'est que Guillaume Martin, je sais pas si son ambition c'était faire 10e, mais il fait quand même un tour un peu décevant, même si Bon, bravo, hein, c'est après au super. final, il fait top 10 quand même. En plus, il est parti en échappée, il a essayé de gagner. Il a pas réussi, il avait peut-être pas les jambes pour. Mais voilà, au final, il arrive à faire un top 10. Bon, pour moi, c'est un bon tour de Guillaume Martin. Ouais, ben bah dans GOAT, t'as raison. Mais du coup, pas Alpecin et ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, on va passer à une équipe. Voilà, ça, on va changer un peu d'ambiance, puisqu'on va passer Le registre. à la DSM qui n'a pas été vernie avec l'abandon de Bardet. Mais voilà, l'équipe, honnêtement, elle a été transparente.
J'ai Ouais, en vrai, je pense que aucune c'est le image projet. de DSM sur le tour, honnêtement, à part Bardet et Non, son non. abandon. Je. Moi, je suis très déçu, personnellement, parce que Welsford, franchement, depuis, il sort un début de saison de fou. C'est un sprinter que j'apprécie énormément en plus. Et pour moi, vraiment, il allait. Bon, je dis pas qu'il est une étape, mais il pouvait faire des vrais trucs. Je sais même pas s'il fait un top 5. Non, il en Donc, fait je les pas. trouve. Il fait un top, il Ben, fait c'est. un seul top 10, je crois. Leur train, il est cataclysmique. Tu mets une équipe pour Welsford, au final, le train, le sprinter, rien ne va. Bardet, il a aucun équipier en montagne. Alors, il a Vervaeke, mais encore, c'est bon, voilà, c'est Vervaeke, les gars. Ils auraient pu au moins mettre un petit pool, ou je sais pas, hein, leur petit crack qu'ils ont, là, les petits Anglais. Parce que là, franchement, pour moi, si tu les mets pas en fraude, tu mets personne en fraude, et j'hésite même à les mettre derrière Arkea, parce que Arkea, au moins, Ah oui. ils ont des Ah petites oui, pour équipes. moi c'est pire. Hein. Ah oui, Oui, parce enfin que moi là, au niveau des sauf si attentes. j'oublie une équipe, sauf si j'oublie une équipe, mais pour moi DSM c'est la pire équipe du Tour de France. Ouais, Il clairement. y a l'équipe qui arrive après aussi qui est pas mal, mais. Ouais, oui. Mais là vraiment c'est catastrophique. Enfin, tu construis une équipe autour de Bardet et Welsford. Enfin, c'était deux pièces maîtresses Plus Westford en vérité. Hein. de ton truc. Et le Welsford passe complètement au travers. Enfin, je regarde là ses résultats. C'est une dixième place. Et après, c'est 2 13e, 14e, 20e. Enfin, c'est comparé à l'attente qu'on avait de lui. Enfin, pour moi, il aurait claqué quelques top 5. Et bon, Bardet, malchanceux, mais Bardet était déjà en perdition un peu dans le classement général. Ouais, du coup, pour moi, c'est fraude. Et enfin, au niveau des attentes, ils sont passés complètement au travers. Ben, heureusement qu'ils recrutent. On va dire que je force, hein, mais ils recrutent un des meilleurs sprinteurs du monde l'année prochaine. Et vu le niveau de Welsford, je pense qu'il va pas avoir de mal à devenir leader en sprint de l'équipe. On peut Et je parle rappeler de. que tu parles de Jakobsen, quand même. Et je parle de Mais Fabio Jakobsen. on en parlera plus tard de Oui. Jakobsen. Mais voilà, je pense qu'il faudrait écrire un livre Voilà, exactement. On va sur lui. passer à l'équipe IF. Je trouve que c'est une équipe un peu dure à juger. Bon, Raconte ça. Hein. c'est pas un très très grand tour de IF. Non, non. C'est sûr qu'ils n'ont pas eu de chance, pareil, ils ont perdu Carapaz le premier jour. Chaves aussi a relativement vite abandonné. Et derrière, t'as Paoles qui a fait un peu de la figuration, mais ouais, c'est Heureusement qu'il y a décevant. Paoles, hein, parce que sans Ah, Paoles, pour moi. ouais. Vous êtes dur avec Paoles parce qu'il fait quand même Ouais. un gros début de Tour de France. Pour moi, IF, c'est en tricycle, pas en fraude. Ouais, la même. Paoles fait un gros Tour de France. Il y a James Shaw qui fait aussi un bon Tour de France. Il fait top Ouais, c'est 5 vrai. en début de Tour de France. Enfin, il fait des grosses étapes. Mais après, forcément, les Ouran, Chaves et Kort Nielsen, transparent. Mais bon, c'est aussi le jeu. Toute l'équipe peut pas être à fond. Mais il y a même Amador qui faisait un bon début de Tour de France. Enfin, franchement, tricycle. Bétiol aussi, hein. Bétiol ces derniers jours qui a été assez actif. Ouais, voilà, bah, Mais je pense voilà. qu'on les met en tricycle Ouais. devant. Pour moi, c'est du tricycle, c'est ce qui fait le pire en tricycle. Après, j'hésite entre Astana ou. Pour moi, c'est Astana, ce quand que. même. Non, pour moi c'est Devant Astana, devant, je pense. ouais, pour moi c'est devant Astana. Parce que Paulès Ouais, quand même devant. enfin montre le maillot, il est maillot à pois pendant une bonne partie du, C'est vrai enfin qu'il pendant la monte arrière première au moitié Pays du Tour de Basque. France. Ouais, Alors c'est ce après il qu'on court un peu n'importe comment, il va chercher des points sur des étapes où il n'y a pas trop d'intérêt, mais c'est costaud quand même ce que fait Paulès, et après le reste de l'effectif suit pas, mais Paolès, ouais. il me rappelle Cosnefroid il y a 2-3 ans, là, quand C'est il avait le en maillot. 2020, ouais. Ouais, qui se Ouais, battait. 2020, je me rappelle comme c'était hier. mais après, Cosnefroid, c'est quand même plus un puncher. Paolo, c'est un mec qui pouvait le garder dans la montagne, je pense. Je pense pas Bah oui, que non, mais Chicone sur soit toute une largement semaine, au-dessus. Hein. Paolès, il est pas dégueu. Hein. Mais Paolo, Tactique. il s'est un peu trompé. Après, bon, on va pas reprocher à des mecs d'attaquer. Voilà, il vous a fait plaisir, et puis tant mieux. Ah, voilà, donc Oula. là, on arrive à Oula. une équipe qui On va va créer des débats. peut-être faire débat. Moi, pour tout vous dire, je les mettrais déjà en tricycle. Et vraiment en tricycle, en fin de tricycle, quoi, on va dire. Ouais. Ouais. Je peux y aller? Alors en Vas-y. gros, l'équipe, si jamais tu regardes le Tour de France comme ça, tu peux te dire que FDJ, c'est. Le Tour de France, c'est pas qu'il est pas mal, c'est que ça passe. Mais en vérité, si jamais tu regardes tout ce qui a été mis en place avant, le fait que tu prennes pas des morts parce que tu penses que c'est mieux mettre toute une équipe autour d'Alit Goju, qu'au final, toute l'équipe n'est pas en forme, que t'as qu'un seul mec qui a réussi à faire un peu. Remonter la balance de cette équipe, que tu promettais un podium pour faire top 9,
que tu prives beaucoup de choses. Au final, personne n'est en forme. C'est vraiment. T'as des mecs, Madouas, une semaine avant, il était au top. Tour de France, il était totalement à côté de la plaque. Pour moi, là, je suis désolé. Pour moi, je vais peut-être être un peu sévère, mais vu les ambitions de l'équipe, pour moi, c'est fraude. Non, 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 non. Quand Alors moi, même pas, quand même je suis pas loin de le penser. Honnêtement, pas un seul podium en FDJ. C'est Et c'est sûr. catastrophique. Pinot Comme sauve ça, mais... en fait, la fin de tour de Pinot, je trouve que Non, ça mais met un peu logique. d'illusion. Et Ça m'a tout le qui... monde oublie un peu. Mais bon, c'est cata de chez cata quand même. Honnêtement, on va pas se mentir. Franchement, vous êtes dur. Godu fait quand même top 9 du Tour de France. Oui, mais Pinot fait top 9. il fait top 9 alors que l'an dernier il fait top 4. Enfin, c'est désastreux Je comme peux pas te résultat. condamner ça. Surtout quand tu mets toute une équipe autour d'un mec pour faire top 9. Non, mais bien sûr que l'année dernière, par rapport à l'année dernière, c'est un Tour de France raté si on pense juste chiffres et résultats. Mais l'année dernière, le niveau du Tour de France de l'année dernière n'est pas celui de cette année aussi. Ok, c'est une erreur folle de ne pas avoir pris Arnaud Démare. Et bah, je pense que Marc Madiot lui-même, s'il refaisait la course, il le prendrait peut-être. D'ailleurs, j'ai vu une interview, ils se parlent carrément plus du tout. Mais Alors, si il on. a été retiré de la shortlist du Tour de Wallonie, là. Ouais, bah, je pense c'est que là, il fait un peu un petit burn-out, quoi. Mais J'espère qu'il sera à la Vuelta au moins. Madouas fait quand même top 20, Pinot top 11, Godu top 9. Oui, non, mais Ensuite, oui, mais c'est ça ok, enfin ça veut rien niveau étape, faire. ils se trompent. Parce que leur stratégie, c'était de rester avec Godu. Mais franchement, ça va, ça va. Mais ils sont en forme. Si tu mets en fraude, c'est que tu les mets au niveau de DSM et de Arkea. Je suis Mais désolé, parce mais que je peux même le voir. les attentes, elles étaient Ouais. élevées quand même. Je suis Oui, désolé. moi je. Oui, d'accord. Tu dis. Non, mais tu me parles de l'équipe. Est-ce que tu trouves que Madouas. Est-ce que tu trouves que les mecs qui étaient censés accompagner David Godu, genre, attends, je vais mettre sur la liste. Madouas, Paché, en vrai, même Ledac, Kung, Geniette, est-ce que tu trouves qu'ils ont été en forme? Mais Paché est tombé. Oh, mais non, mais Madouas. aucun n'était en forme. D'accord, mais Madouas n'était jamais là. Personne n'était jamais là pour l'accompagner. Et dernière, Madouas, quand David Godu, il craque sur le mur de Péguer, t'as Madouas qui est là pour le ramener parce que Madouas était vraiment chaud. Là, cette année, Godu, il craque. T'as juste Guillaume Martin et Mendiez au début du tour pour l'aider. Oui, mais À mon après. avis, il y a eu un souci de préparation dans l'équipe Mais FDJ. oui, il y a un Enfin, gros souci c'est de pas un préparation. hasard que tout le monde. Enfin, ils se sont trompés, de toute façon, enfin, ça arrive, hein, je Oui, ça pense arrive clairement, mais. qu'ils ont bien appris, ils vont apprendre de ça, mais il y a clairement eu un souci de préparation pour que tout le monde soit, à part Thibaut Pinot, qui est le seul qui était au Et qui en Giro, si plus je dis fait pas le de Giro. bêtises, mais voilà, qui du coup n'a pas suivi la prépa spéciale Tour de France, qui est le seul qui était à peu près à son niveau. Il y avait aussi. Mais voilà, je sais pas, tu parlais par exemple du top 20 de Madouas, mais est-ce qu'un top 20 à 1h15, ça vaut quelque Oui, chose? ça vaut plus Je suis rien. pas, enfin voilà, c'est anecdotique plus qu'autre chose. Il est là parce il est resté un peu en tant qu'équipier, mais pour moi, ils sont tous passés au travers, à part Pinot, mais qui a pas non plus été flamboyant. Enfin, il nous a fait rêver sur samedi, mais voilà. Et les attentes étaient élevées, notamment avec Paris-Nice de Godu. On se disait, ah, il est encore peut-être passé un cap cette année, et bah ça a pas du tout, mais vraiment pas du tout suivi quoi. Moi, je Mais pour serais moi, d'avis de les mettre en fraude également. je trouve que fraude, c'est pas représentatif quand t'as des mecs, quand t'es dans le top 10 du général, tu Oui, peux pas être mais en fraude. en tout, écoute ça. Le Godu est 9e. Oui. Tous les mecs devant lui, sauf un, ont gagné une étape sur le Tour de France. Et celui qui a pas gagné, c'est Simon Yates qui en a déjà, il en a déjà deux. Enfin, tu vois, ça veut dire un truc, c'est-à-dire que c'est quand même le seul mec du top 10 avec Martin à ne jamais avoir gagné une étape sur le Tour de France. Pour Oui, mais moi, tu peux pas. si, Tu peux pas. moi, je peux lui reprocher ça. C'est-à-dire que le mec, il a joué le général pendant tout le tour pour, au final, finir derrière des mecs qui ont joué les étapes. C'est cata, Ouais, mais on fait des ambitions. pour Dieu, on peut pas non plus lui reprocher de vouloir apprendre et du coup bah, de Non, s'accrocher mais. même quand c'est mal et que Ok, du mais coup est-ce que c'est. Mais ce qui me dérange le plus, c'est est-ce que pas pour toi, méchant c'est de le mettre normal? en Est-ce que fraude. pour toi, c'est normal que Godu finisse derrière un mec comme Bilbao? Ah, pour moi, non. Bah, Enfin, pour si, moi, Bilbao, c'est un très bon coureur, c'est mais très bon il. coin. Ah, mais j'ai rien contre lui. C'est juste que c'est pas normal. Et pourquoi Jay Hindley
vainqueur du Giro et derrière Bilbao. Mais parce que Jay Hindley, il Parce qu'il chute. tombe. Il est tombé. Ouais, il tombe. Il est C'est tombé. ça qui est trop. Mais Godu a foiré sa prépa et t'es Oui. pas en forme. Mais ça, c'est sa Oui, faute. mais c'est voilà, c'est pour ça que c'est un moment fraude. Ils ont fait pas éclater. Mais en C'est pour ça plus, aussi qu'il y a c'est. des petits temps. De toute façon, le but, c'est pas de se moquer des équipes, c'est juste de dire, Non, non. objectivement, est-ce qu'elles ont réussi le Tour de France ou pas? FDJ a Non, elles l'ont totalement pas raté son réussi. Tour de France. C'est pas une faute des coureurs, à mon avis, du coup. Pour le coup, comme je Oui, disais, pour moi, c'est ouais, c'est il y a eu une aussi surprise beaucoup. dans la Bah, prépa c'est un peu des deux et quand même. Je voilà. pense que Godu, il est pas étranger au fait que Demar soit pas là. Mais Oui, c'est sûr bah, que c'est une peut-être, mais déesse ça, on le aussi. saura jamais vraiment, donc. Ouais. Bon, du Bon. coup, on peut partir sur fraude, mais voilà, les Fraude. premiers des fraudes. Premier des fraudes, Et ouais. pourtant, on le précise, c'est une des équipes qu'on aime le plus, mais bon, voilà, il faut Ouais, savoir être un objectif. sauf Raph, mais bon. Ouais, mention Moi j'aime bien spéciale Fichy, moi j'aime bien à Thibaut Fichy. Pinot, quand même. Ouais, voilà, Thibaut Pinot qui nous a bien fait rêver, et qui David Godu pourra le remercier, parce que je pense que sans lui, on aurait peut-être un peu plus parlé de Godu et son Tour de France et de Démarre et tout ça. C'est vrai qu'il y a une belle ambiance qui règne autour de ces derniers jours autour de la Groupama et ça a probablement sauvé la vie générale. Et je pense que ma pancarte à Bordeaux aussi n'est pas étrangère à cette belle. Exactement. Ensuite, on passe à Intermarché. Alors là, une équipe, pareil, on les a pas tant vus que ça. Et pourtant, ils avaient une équipe qui était normalement construite pour qu'on les voie en échappée. Et voilà, Fraude. Garmi n'a pas été incroyable. Ouais. Donc, Corto qui dit fraude, je pense que Heureusement, je. t'as Guillermet qui fait quelques petites places. Non, Ouais, non, non, Guillaume, il passe au travers de son tour quand même. mais oui, il me fait quelques petites placettes. Mais sinon, en vrai, en fait, pour te dire, j'ai même pas le souvenir. J'ai que pour moi, je me rappelle que de Guillermet qui était sur le tour. Non, moi je Même me pas souviens Yann de Fino. la. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui je l'ai vu et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il est là. Il y a qui Bon. d'autre? Ça, c'est qui Bah, d'autre? y a Zimmerman Ouais, qui a Zimmerman, passé quelques kilomètres à quand l'avant. Bilbao Ouais. gagne. Bah, Zimmerman, pas très mal. Et Mendy aussi, en vrai, qui quitte le tour dès le début. Donc, ça, en vrai, ça les a un peu. Enfin, dès le début. Non. Quitte le tour à la moitié. Donc, ça les a un peu déstabilisés, je Mais pense. ouais, en fraude, C'est enfin de la moi fraude, hein. je les attendais. Fraude, bon, je sais pas, après, bon, le classement, voilà, je vais les mettre là, rien à voir qu'à. Ouais, je pense bien. Mention Oui. spéciale à Adrien Petit, quand même, qui a dû souffrir sur cette dernière Ouais, le semaine. pauvre. Il a fini au Et final, ou pas? J'ai qui a pas suivi. réussi à finir, ouais, qui a réussi à finir. Oh, ouais. Il s'est laissé décrocher, je sais plus, il devait rester une dizaine de kilomètres Ouais. aujourd'hui. Mais voilà, il est quand même allé au bout et ça n'a pas dû être simple. Et petit dédicace à Rico aussi, qui en début de saison était Ouais. Contador Prime, et qui au final est devenu le coureur qu'il était très bonne saison. Merci, Raph. Et du coup, on va pouvoir passer à Ineos Grenadier, donc qui gagne deux étapes et puis qui fait c'est quoi, c'est top 5 Top 5, Rodriguez. ouais. Donc moi pour moi c'est un très bon tour de la part de Ineos. Moi, c'est très bon de la Ouais, part ouais. d'Ineos. Le Il est compte est maîtrisé. rempli. Et entre H2R et Bora, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Bon, moi je Ouais, les mets je ouais, suis. exactement. Moi je suis Ouais. totalement contre. Et en plus, Je suis d'accord. Et sa ils ont nouvelle pu. victoire, c'est ça? Ouais, ils ont quand même aussi testé Thomas Pidcock en général. On a vu que ça tient pas dans la longueur, mais il a quand même montré de belles promesses sur quoi, la première semaine et demie, 2 semaines. Je Ouais, sais bah plus quand est-ce qu'il craque, ouais, mais. Mais surtout, c'était on a vu Grand surtout Colombier. Grand que. Colombier, il était très très fort au Grand Colombier. Bah voilà, c'est Puisqu'à ça. l'inverse, ça Il va. aime que les montées sèches, il a un peu de mal à enchaîner l'école, mais bon, ça viendra, je pense. Et mention spéciale à Kiato qu'on a retrouvé un très grand niveau. Et ça faisait plaisir parce que ça faisait quand même deux, trois bonnes saisons, deux, trois mauvaises saisons de sa part. Voilà, l'année, Et là, il me prend l'Amstel bon, quand même. Kiato, et ça régale. On va pouvoir passer, voilà, à l'équipe Israël avec une victoire de Michael Woods. Bon, c'est pareil, le contrat est rempli. Je vois pas trop ce qu'ils pouvaient faire de mieux. Ils ont joué avec leurs armes. On les a souvent vus en échappée avec Pour moi, aussi c'est du normal. Chris Pour moi, Neilands. c'est la première équipe qu'on voit normale. Non, non, pour moi, c'est très bon quand même. Enfin, Moi, c'est dans la c'est très lignée de bon. leur. Franchement, ils font un super Giro. Ils font un bon Tour de France. Nyland se gagne pas, mais il fait quand même un très très grand Tour de France. Michael Woods gagne une étape. Je vois pas pourquoi on les mettrait pas en très bon. Enfin, Ouais, qu'est-ce qu'ils ont de bon avec moi H2R, je suis quoi. d'accord, moi je suis d'accord que Ouais, moi en aussi. vue des Ouais. attentes, Corbin Strong a été Après, promosé. ils ont moins d'AG2R. Sinon, s'ils ont moins d'AG2R, ils ne vont pas un top 10.
Général. Ouais, mais ils n'avaient pas les mêmes attentes qu'à G2R, ils avaient pas de... ils C'est vrai, jouaient c'est pas de vrai. général. Donc Mais quand c'est même, vrai, c'est vrai. derrière AG2R. C'est le Ouais. moins bon, je trouve. Mais ouais, donc ils ont... Bon, il y a Simon Clark qu'on peut regretter qui... Après, Voilà, qui se prend il encore sortait pour du les passes au Giro. travers, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Il Mais... est tombé malade aussi en plein milieu du tour. Donc, Non, bon Tour de France. après, du coup, la catégorie normale va servir pour la prochaine équipe, je Ouais, pense. Jericho, un très bon Simon Yates, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau. Mais voilà, pas de victoire d'étape. il m'a surpris, Groenewegen hein. qui est passé un peu à côté de son Ouais, c'est tour. ça. Donc voilà, je pense que normal, Et c'est la grande surtout, très catégorie. bien, la première étape, c'est magnifique avec son Ah oui, frère et tout. avec les deux frères de fou, là, c'était bien. Et ouais, Voilà. donc c'est... Après, Jaiko, j'ai quand même un peu du mal. J'ai l'impression que il n'y a pas beaucoup de monde derrière Yates et Groenewegen. Donc bon, à voir le rôle Moi, de Mercato. je voulais quand même qu'on signale aussi le Tour de France de Chris Harper, Oui, aussi. Ah oui, c'est qui vrai. très chaud. Un super Tour de France et qui était souvent là avec Simon Yates Ouais. pour l'aider en montagne. Donc c'est sûr que du coup, bah, Yates, il fait top 4. Donc on pourrait dire que c'est un peu dur de les mettre en normal, mais vu que Groenewegen, pour moi, il rate son Tour de France, quoi. Si on critique Jakobsen, on critique Groenewegen qui a été transparent. Et bah, du coup, ça peut pas être mieux que normal, quoi, je pense. Ouais. Et par contre, la prochaine équipe a fait un gros Tour de France. Donc Ouais. Lidl-Trek avec Pedersen qui gagne devant Philipsen. C'est le seul avec Meus à avoir réussi à le battre. Et Ciccone qui prend le maillot à pois. Mais même au-delà de ça, on a vu une cohésion d'équipe. Ouais, c'est ça. C'est une équipe qui tout le monde s'est pour Pedersen s'est bagarré pour le maillot de Ciccone. Ciccone et Skelmose se sont bagarrés pour les victoires d'étape de Pedersen. Enfin, c'est une équipe qu'on sent soudée. Tout le monde s'est bagarré dans un objectif commun. C'était vraiment beau à voir. Et au final, bah, ça paye parce qu'ils repartent avec le maillot à pois, ils repartent avec une victoire d'étape. Ouais, difficile de faire mieux. À part peut-être une place, je sais pas, peut-être qu'ils espéraient une place au général au début. Ouais, c'est vrai que Je sais. c'est un peu le point de savoir du coup de Trek. Schlemoze, Mais. ouais, je pense à Schlemoze qui montrait des grandes conditions Moi, juste je vais dire avant. la vérité, c'est l'équipe qui m'a fait le plus rêver sur ce Tour de France, franchement. Je les ai trouvés incroyables, on les voyait tout le temps, on voyait tout le temps à Lidl, tout le temps partout. Et comme tu disais, Pitouche, leur cohésion, elle était magnifique à voir. Voir hier Pedersen, mais qui donne tout, alors que le gars, il aurait pu se dire, bah, attends, demain il y a sprint, je me réserve un peu, quoi. Non, non, là, il a donné tout ce qu'il avait pour que Ciccone prenne ce maillot à pois. Des mecs qui respectent enfin le maillot à pois, ça fait du bien. Et donc, bah, pour moi, on les met dans soit le très haut de très bon, soit. Ouais, non, c'est peut-être un peu difficile de les mettre dans GOAT, mais Oui, pour moi, moi, tu je peux les pas mets dans les Général. mettre dans GOAT parce qu'il n'y a pas de Il n'y a pas place au général, Général. voilà. Ouais, bah, alors tu les mets tout en haut de très bon, Ah bon? je Bon, pense. ah, pour moi, je les mets derrière Alors, Ineos quand même. moi personnellement, je les mettrais entre eux. Ineos et AG2R. Ouais, pareil. Pour moi, je suis Parce d'accord. qu'ils ont quand même Derrière pas Ineos? longtemps. Ils ont certes Bah, leur meilleur point, mais ils Ineos ont pas prend une deux victoire en victoires et un montagne. top 5 quand même. Ouais, C'est. mais on pense qu'aux victoires. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est pour voilà. ça. En fait, sinon, je suis d'accord. En fait, moi, j'ai très beau tour de Lidl Trek. En tout cas, dans l'esprit, voilà, Oui, dans l'esprit, ils c'est nous ont GOAT. fait rêver. C'était que du collectif, c'était magnifique. Et voilà, ils ont réussi leur objectif. Loto. Loto, Et belle auto. Et compliqué. belle auto, j'ai envie de les mettre en normal. Bon, ouais, je... Non, mais. La culture de Parce que. l'instant, malheureusement, Non. madame. Bon, Ewan, il se moi, je recule les mettrais en avant qu'il tricycle quand abandonne. même. Hein. Je suis désolé, même s'ils Avant, font bah deux non. très bonnes Avant, étapes. parce que Ewan, avant qu'il abandonne, était très bon. Et puis, après, t'as quelques. En vrai, en échappé, moi, ils ont quand même montré pas mal le maillot avec Van Gils. Avec Van Gils, Campenaerts. Ils ont essayé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas gagné? Et Mkhorn. Ils ont essayé, peut-être qu'ils n'ont pas gagné, mais au moins, c'est comparé à des mecs, comparé à des équipes là, comme Arkea, eux au moins ils ont essayé, eux au moins ils ont montré des choses. Et voilà, mais après, en vrai, Tricycle, ça me choquerait pas. C'est pour ça que pourquoi je le mettrais en normal, perso. Moi, je serais de l'avis de Raph. Je les mettrais aussi en normal parce que voilà, enfin, Ewan, c'est quand même un top 2. Je crois qu'il fait un autre top 3 à côté. Van Gils fait deuxième. Alors, ça paye pas, il n'y a pas de victoire d'étape au bout. Certains passent au travers un peu, mais ouais, c'était correct. C'était correct. Et on parlait par contre de cohésion d'équipe avec,
avec Lidl Trek, là avec l'affaire Caleb Ewan un peu, on est un Ouais. peu de l'autre côté par Ouais, contre. mais c'est juste qu'à la Day One, quoi. Au final, quand il s'en va, on se rend compte que tout le monde est uni. On est soudés, ouais, vraiment, parce que quand Penarth qui ramène Encorn hier, avant-hier, enfin, d'ailleurs, on peut se demander, on a su que quand Penarth était super combatif de ce Tour de France, est-ce que Ah bah c'était oui, vrai? ça en vrai ça fait quelque chose ça aussi. Hein. J'espère qu'on va quitter Tour de France. Ouais, Est-ce bon que c'est après, vraiment. je pense que c'est un débat sans fin. Oui, personnellement Il je aurait pense pu que le mériter Mayland ou avec la Phoenix Maylands, aurait pu voilà. mériter. Ah, il le Mais mérite, voilà. mais moi je pense qu'il y a des mecs qui le méritent encore plus que lui. Voilà, c'est mon avis. Oui, non, mais totalement d'accord. Et Bon, du coup, voilà. oui, normal, on peut les mettre dans Ouais. normal. Normal. Hop, ça Oh part là en là là, le normal. prochain. Bah, Le prochain. le prochain, je les mettrai pas tout en bas non plus parce que je me dis Non. ils ont perdu leur leader tellement tôt qu'ils ont quand même Ouais. des circonstances atténuantes, quoi. Ouais. Alors bon, c'est vrai que tu perds Henrik Maas, tu perds ton leader, mais qu'on me dise pas que Movistar, ils ont une équipe de peintres Bah, à part Henrik Maas qui est en blessure. Jorgensen a tenté, mais pareil, il a abandonné aussi, quoi, donc Ouais, c'était compliqué, quoi. t'as Jorgensen, t'avais quand même du Mulick Belger qui sort de. Qui était champion d'Autriche, qui était en bonne forme, Pedrero, Manesson Oliveira. Aramburu, je l'ai pas vu le Tour de France. Il a abandonné ou pas? Non, Non, même non, il est pas. là. Il est Je n'ai 17e pas vu aujourd'hui. Aramburu. Je n'ai pas vu Aramburu une seule fois alors que tu avais des étapes qui étaient parfaites pour lui, je pense. Bah, ni Bourg ni Moche, c'était parfait pour lui. La première étape qui était parfaite pour lui, c'est le Pays Basque. Et chez lui en plus. Tu as des mecs comme Guerrero, invisible. Gorka, Izaguirre, invisible. Pour moi. Je sais pas si c'est en fraude, mais si c'est pas en fraude, c'est dans tout ce qu'on fait de pire en tricycle. En tricycle. Non, quand même pas. Il y Moi, a Guerrero je les qui. mettrais en tricycle, quand même. Ouais, voilà, je suis d'accord. Guerrero fait quatrième à l'étape 6 quand même. Et Jorgensen, à mon avis, c'est mon avis, hein, mais s'il y a du public dans le Puy-de-Dôme, il craque pas du tout comme ça. Là, le mec, t'as l'impression qu'il était un peu. Après, surtout qu'une fois qu'il est doublé par Woods, il craque totalement et du coup, il se fait doubler Oui, il était juste en fort. Hein. par Pierre Latour. Mais je suis pas sûr que Michael Woods rentre sur bah, Jorgensen s'il n'y a pas de public. Il était quand même vachement fort et il aurait pu gagner cette étape. Donc c'est pas une équipe qui a été non plus transparente. C'est sûr que par rapport en plus à ce qu'on attend de Movistar, voilà, c'est décevant. Mais dans le cas où ils perdent Henrik Maas tellement tôt, forcément il fallait quand même se remobiliser. Donc tricycle est même devant, je pense, Astana. Et d'ailleurs, les gars, est-ce que pour vous, le Puy-de-Dôme, flop ou pas? Pour moi, c'est un flop et ça sert à rien de le remettre d'ici les prochaines années parce que sans public, c'est aucune faveur, aucune saveur. Le col, je le trouve pas si ouf que ça. Enfin, pas Ouais, si non, ouf, moi c'est je suis dur, hein, d'accord. vraiment, En fait, la s'il y avait nature du est gênante. public, ce serait ok, mais vu qu'il n'y a pas de public, ça n'a aucun intérêt. Mais je sais pas Ouais, si je suis intéressant. d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc, Quick step. on va parler d'une équipe voilà, qui n'a aucun rapport avec le Puy-de-Dôme, voilà, mais qui a compté dans ses rangs un certain Fabio Jakobsen, que certains surnomment le fantôme, vu qu'il a très vite disparu dans ce Tour de France. The Ghost of Netherland. Mais au final, qui ramène une victoire Bon, d'étape, hein, qui sauve son Tour de France miraculeusement. moi Personne je mets un s'y normal. attendait, mais. Ouais, moi Ouais, je suis non. d'accord. Normal, mais attention, parce que ça aurait pu être Pour moi, tricycle. c'est le meilleur de normal. Je sais pas si vous avez. Bon, ça aurait pu être Oui. pire que ça. Ça aurait pu être fraude, hein, s'il n'y avait pas la victoire de Kasper Ah oui, Asgreen. Hein. Kasper Asgreen sauve C'était totalement. Non, à hein. mon Grosse avis, fraude. Hein. c'est pour ça qu'on Moi, peut je pas les mettre dans le meilleur sais. du Enfin. normal. Hein. Alors, ok, la victoire d'étape, c'est dur de les mettre plus bas que normal avec une victoire d'étape, mais j'ai quand Après, même seulement envie de les mettre en tricycle, le problème c'est qu'ils perdent quand même, personnellement. un peu à l'image de Movistar, ils perdent leur leader, entre guillemets, assez tôt, quoi. Une fois qu'ils chutent, c'est plus le même. Ouais, une fois qu'il tombe, c'est plus le même. Donc, Ouais. ouais, c'est bon. Après, Alaphilippe a été un peu transparent. On n'oublie pas quand même que Jakobsen, autour de Belgique, il est devant Philipsen sur deux étapes. Donc, dans le cas où Ouais, mais Philipsen bon, gagne quatre ça sert un peu à étapes. rien. Quoi? Ça sert un peu à rien là, du coup pour le tour. Ben non, mais du coup, c'est pas Jakobsen qui était en méforme, c'est juste la chute qui détruit tout. Et par contre, la déception, la grande déception, c'est Julien Alaphilippe, qui était bien en forme au Dauphiné et qui, là, bah, raté totalement son Tour de France. Il était ouais, en mode 2020, mais même en 2020, il avait quand même gagné une étape. Donc là, assez décevant quand on connaît les qualités d'Alaphilippe. Mais c'est sûr que c'est normal, mais dernier de normal pour moi.
Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Moi je le mets dernier normal. Heureusement qu'il y a Kasper Asgreen, parce que sinon, bon, il serait tombé Mais dans les bas-fonds du classement. en 2 jours, Asgreen sauve totalement le tour de Quick-Step, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, bon, là, une équipe qui va, je pense, être un peu moins dure à juger, puisque c'est Jumbo-Visma, l'équipe de Vingegaard, qui gagne le tour. Une seule étape, par contre, c'est rare. Bah, Jumbo, c'est. Alors, enfin, moi, je trouve ça dur à juger. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, parce que, en fait, c'est leur objectif principal, c'est le Tour de France. Ça a été brillamment réussi. Et ils ont une victoire d'étape sur le contre-la-montre avec Jonas Vingegaard. Mais à côté de ça, on a Wout Van Aert qui est pas à son niveau l'année dernière, loin de là. On aurait pu attendre à plus de la part de Vingegaard dans la quête de victoire d'étape également. Donc je ne sais pas. Goat, pour moi, non. Mais bon, après, il gagne le Tour de France, donc les mettre en dessous de très bon, c'est dur quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Au vu de leur saison, en fait, ils font le Tour de France qu'on attend, c'est tout. On attend ça d'eux, qu'ils gagnent le Tour de France. Ils en font pas plus, parce que bah, ils gagnent qu'une étape. Maintenant, pour moi, c'est un Tour de France très bon, parce que bah, tu gagnes le Tour de France, tu gagnes une étape. Voilà, bravo. Mais comme tu dis, bah, ils ont rien fait dans les échappées, ils n'ont pas pesé du tout. Il y a peut-être un peu Benoît à un moment qui a un peu pesé, mais Laporte a pas eu du tout de sa carte, même quand Van Aert a arrêté, et du coup bah, Laporte a pas réussi à être bon, et puis bah, Van Aert n'a pas gagné d'étape, donc on peut pas les mettre au-dessus, mais on peut pas les mettre en dessous, donc je pense que c'est un Tour de France très bon pour Jumbo. Ah ouais, Je sais pas ce que t'en vous penses. les mettez. Moi, je les mets en GOAT. Enfin, tu gagnes le Tour de Personnellement, je les mettrais France. en GOAT. Personnellement, je les mettrais en GOAT Bah parce oui, que quand nous. même. En vrai, en Non. fait, le seul souci, c'est que nous, on a un regard, on n'aime pas trop Jumbo, tu vois, et on se dirait, Non, non, mais là, ouais, c'est. en vérité, ils ont, non, mais je t'explique, en quoi ils ont joué sans aucun panache et tout, alors qu'en vérité, quand je regarde leur Tour de France, eux, ils ont rempli leur objectif, c'est gagner le Tour. Alors, c'est vrai, ils ont couru comme les grands méchants, t'as envie d'insulter, les insulter, mais en vrai, ils ont couru comme ils devaient courir. Et je pense que eux, Mais lorsqu'ils sont passés au bout des victoires d'étape, t'attendais ça quoi du de coup, Rafa? Raph, tu dis ils ont rempli leur objectif, mais justement, les équipes qui sont en GOAT, c'est les équipes qui ont dépassé leur objectif initial. Ça, Là, c'est ça, ils étaient venus pour le Tour oui. de France, ils ont gagné le Tour de France, ils ont Ouais, mais explosé le Tour de France quand parce tu qu'ils gagnent gagnes le avec Tour 7 de minutes France d'écart. ouais, avec 7 minutes, t'es obligé d'être en GOAT, Après, enfin. c'est que tu gagnes Oui, 4 minutes. mais. Bon, après, je suis d'accord, il y a un élément qui me fait un peu balancer. C'est Wout Van Aert qui. On s'attendait à beaucoup plus de lui. Je sais même pas s'il fait un top 3, c'est comme ça, enfin s'il doit faire un top 3, mais au final, c'est pas du tout le Wout Van Aert qu'on attendait. Et c'est vrai que ça, c'est un des éléments qui me fait un peu balancer. Mais pour S'il moi, fait quand tu deuxième. gagnes le Tour de France et que tu mets 7 minutes d'avance à au deuxième, c'est très Ouais, bah compliqué de pas trouver une surtout position que qui quand va être tu mets meilleure. Cofidis en GOAT, c'est compliqué de pas mettre Jumbo Game, je trouve. Voilà. Ouais, mais c'est Oui, toujours la différence entre les attentes, quoi. Et oui, mais c'est ça. On juge aussi par rapport à la valeur de l'équipe. Jumbo, c'est l'équipe qui écrase tout cette saison, sur toutes les classiques, surtout. Oui, Là, ils mais. ont gagné le Ah, pas tour. les monuments. Bravo. Mais ils sont pas au-delà de ce qu'on espérait à gagner 5 étapes, Ah à bah Van Aert, il gagne. moi honnêtement je m'attendais pas à ce que Vingegaard mette 7 minutes à Pogacar. Hein. Enfin Oui, ça, c'est en début important. de tour je pense que pas grand monde s'attendait quand même à ce qu'il y ait une telle différence entre les deux. Mais ça, c'est le temps. Le temps, finalement, c'est anecdotique. Est-ce que tu retiendras dans 20 ans que Vingegaard avait mis 7 minutes? Non, tu Ah retiendras ouais qu'il a moi gagné le si je tour et pense quand même. Pogacar est deuxième. Ouais mais Donc, enfin pour moi, c'est très bon. pour moi c'est good. C'est là en fait parce que du coup on est 2 contre 2 là. Ça va Ouais, être parce compliqué. que moi, tu vois, l'argument. Après, je vais sûrement être sévère, mais l'argument des 7 minutes me les fait passer en très bon. Et. Enfin, je m'attendais à ce qu'il gagne le tour. Je voyais Vingegaard en favori. Donc, si Vingegaard gagne le Tour de France, voilà, avec 1 minute d'avance sur Pogacar, j'aurais trouvé ça normal. Et là, il explose le Tour de France, donc je les mets en très bon, quoi. C'est ça, Ouais, et c'est comme en ça que plus, je. il gagne le classement général par équipe aussi. Ouais, c'est Voilà, et vrai. puis même au-delà de ça, l'équipe a quand même été monstrueuse. Donc, Oui, mais tu vois, si on met Cofidis en GOAT. Donc, si on va dans le sens qu'on fait par rapport au niveau Oui, mais principal de non, mais l'équipe, après, c'est des ils font pas un tour arguments normal, mais ils font un très bon tour. c'est des arguments pour chacun des équipes, tu vois. C'est des choses, mais tu veux pas. Enfin, tu peux pas dire que Jumbo-Visma n'est pas GOAT parce qu'on s'y attendait.
Surtout que moi, je m'attendais pas tant que ça que Vingegaard gagne le Tour de France. Pour moi, c'était plus serré que ça. Et il a vraiment explosé Pogacar, quoi, avec une équipe qui a aussi été très forte. Ouais. Bon, moi, je pense que voilà, on les met en GOAT. Dernier de GOAT. Dernier écoute, voilà. Pour moi, c'est Allez, ce vendu. leur place. Ah, alors là, une équipe, voilà, une équipe qui a peut-être faire débat, c'est Total Energy, donc zéro victoire, mais quand même un podium avec Pierre Latour. Et moi, je les mettrais en. Non, deux deuxième places. Deux Ah deuxième places et une troisième place de Burgolo. oui, c'est vrai. Pour moi, je les mets en normal. Ils ont fait. Là, Moi ils ont. aussi, alors Ouais, moi je sais pas aussi. si jamais je suis pas objectif. Dites-moi si jamais je suis pas objectif. Moi juste, voilà, c'est vrai que Peter Sagan, ça fait du mal de voir comme ça. Je pense que Sagan, si jamais tu aurais eu un mec. Pour moi, Sagan, c'est vraiment un truc juste pour la com, quoi. C'est comme au PSG, tu vois, tu mets des joueurs juste parce que c'est pour les palettes et tout, alors que tu sais David Beckham, pour. quoi, quand il arrivait. Voilà, David Beckham, tu vois, tu sais très bien que dans le jeu, il va rien t'apporter, mais pour marketing, il va t'apporter. Du coup, c'est pour ça que moi, je le mettrais pas là. Mais en vrai, ouais, pour moi, quand même, t'as des mecs qui font des. T'as des Burgodo qui sont très en forme, Pierre Latour qui est assez bon, dommage qu'il descende. Peut-être que sans sa descente, il aurait pu aller gagner au Grand Colombier. On ne sait jamais. Et ouais, pour moi, c'est un tour normal. C'est même rang que l'Auto-Destiny, juste s'ils n'ont pas eu un sprinter, quoi. Ils auraient on s'est parti avec Tesson ou un mec comme ça, peut-être qu'on aurait mieux fait. Donc voilà. Ouais, et puis à noter aussi quand même le bon malheureusement l'abandon mais le très bon début de Tour de France de Steph Grass aussi hein, Ouais, qui clairement. partait bien et bon il s'arrête rapidement mais il était quand même impressionnant ce début de Tour de France et on sait pas ce qu'il aurait pu faire après mais il aurait pu aller chercher des victoires d'étape aussi. Ouais, c'est clair. Moi, sans le mauvais Tour de France de Sagan, c'était dans le très haut de normal, voire presque très bon, parce que bah, franchement, moi, je les attendais pas aussi forts. Par rapport à ce qu'on voit de Total depuis ce début de saison, c'est quand même pas incroyable. Et là, bah, bravo à Burgodo qui fait un super Tour de France. Bravo à Pierre Latour qui, malgré ses lacunes en descente, bah, il a quand même réussi à faire une super étape. Au Puy-de-Dôme notamment. Et du coup, bah, finalement, c'est même Daniel Oss qui essaie de s'échapper sur les étapes de plat. Enfin, ils essayaient quand même de faire en sorte qu'on les voit, quoi. Donc, bravo. Et je pense que, honnêtement, on peut les mettre devant Lotto et Quick-Step. Oh, moi je suis pas d'accord. Parce que bon, Bah, ça c'est. en quoi Lotto fait un meilleur Tour de France que Ah oui, peut-être. L'auto peut-être, ouais. Ouais. Bah, du coup, moi je mettrais Soudal avant l'auto et Ouais, Total je suis d'accord. avant l'auto. Comme ça, je suis Ouais, d'accord. d'accord avec toi. Après aussi, par contre, Total, l'année prochaine, je suis pressé de voir quel type d'équipe ils vont faire. Parce qu'en vrai, s'il y a quelques coureurs qui m'ont déçu, moi je pense à Ah, Féron, qui Ferron, était ouais. très bon depuis le début de la saison. J'attendais vraiment plus de lui. Et bon, en vrai, l'année prochaine, du coup, tu auras des trucs en moins parce que tu ne seras pas obligé de mettre le Daniel Oss, Peter Sagan, parce que bon, c'est leurs dernières années. Donc l'année prochaine, je pense que bon, tu as quelques sprinteurs qui sont assez prometteurs dans l'équipe. Donc j'attends de voir l'année prochaine, puis même pourquoi pas la Vuelta, là, il me semble que cette équipe va faire la Vuelta. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. Et puis donc, il nous reste deux équipes, peut-être deux extrêmes, on va dire, avec du coup UAE qui repart avec trois étapes, le maillot jaune porté par Adam Yates et le maillot blanc de Pogacar. Donc bon, je pense que c'est un tour plus que réussi. Enfin, Moi, c'est du GOAT. ouais, Après, voilà. en fait, le truc, c'est qu'ils réussissent pas l'objectif principal, quand même, quoi. Ouais, C'est ça. c'est. Ouais. Ouais, mais bon, Bah, j'avoue, tu si on gagnes veut quand lancer un même truc. une étape avec Yates et tu portes le maillot jaune et puis t'arrives avec Pogacar Bah, qui était ouais. blessé, quoi. Donc, Par contre, si on non, peut faut. noter un truc, c'est que l'équipe était meilleure. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, l'équipe était meilleure en montagne. En montagne, hein. En montagne, c'était meilleur que Jumbo. Bah oui. Pour moi, Oui. ça se valait à peu près les Ouais, deux. ça se valait. L'étape Mais du c'est tour, la c'était perf d'Adam Montpolivin. Yates C'était qui. En Montpolivin. fait, Yates, c'est le meilleur coéquipier de ce Tour de France. Enfin, c'est. Bah, c'était troisième, quoi. Il a C'était été. co-leader. Ouais, voilà, il a été. Il a souvent été en leader bis. Mais voilà, il a été exceptionnel sur ce Tour de France. Il va chercher le maillot jaune en plus, donc. Mais ouais, c'est pour ça que moi je les mets en GOAT parce que il n'y a pas eu que Ah, mais Pogacar, oui. il y a eu aussi Adam Yates qui a fait des trucs. Donc C'est l'équipe qui gagne le plus d'étapes derrière Alpecin Alpecin. avec Bahrain, hein, donc
Même pour moi, ils sont devant Jumbo si on juge purement en termes de victoire et de. Bah, ok, Bah, moi, je suis pas d'accord parce qu'il gagne, il gagne pas le mais dans tour et le il venait temps pour où ça. Pogacar était blessé et n'avait pas une prépa optimale, bah, Ouais, mais quand même, tu le peux pas tour les de France est mettre plus réussi. derrière Jumbo alors qu'ils gagnent pas le tour, c'est leur objectif. Et est-ce que Cofidis gagne le tour? C'est vrai, c'est vrai. Bah, après, on peut mettre Non, mais après, Cofidis. Cofidis n'était pas en bagarre pour le Tour de France. C'était Voilà, on Guillaume peut les. Martin et Mais. aller gagner le Tour de France, Après, mais tu peux mettre Guillaume Martin aux autres, ouais. Ouais, je pense que Tu peux mettre Cofidis Cofidis en est en dernière, ouais. dernier, ouais. Et puis donc, il nous reste une équipe très très chère à notre collègue Cher Rémi. Rémi, Uno-X, l'équipe norvégienne. Premier Tour de France, ça a été compliqué, il y a eu des chutes. On n'a pas trop vu Christophe. On a un peu Brake, vu ils ont un peu les mêmes. Johannessen qui était du coup sur le retour après Ou sa grave blessure de l'an Abramsen, si dernier. l'autre jour là, Abramsen. Ouais, ah oui, c'est vrai. Et moi, je les mettrais soit en Moi, normal, Tricycle. soit en tricycle. Oh, Moi, quand c'est mon même. Oh Tricycle. non, moi c'est normal. Je Ah vais ouais. refuser complètement de les mettre en tricycle. Je vais être très franc, je Oh, le je suis trouve totalement d'accord avec très toi. dur. Enfin, tricycle, c'est très très dur. C'est une équipe, c'est la première fois qu'ils sont sur le Tour de France. Ouais, après, moi, juste un truc. Johannessen, mine de rien, c'est. Je regarde là, c'est 4 top 10 quand même. Hein, Très loin. sur ce tour. Ils ont pas de chance avec Trent qui chute, je sais pas combien de fois, il doit avoir le record peut-être Oh, de chute, mais. il a fait le Mais tour non. avec Lucas. Franchement, normal, pour moi, c'est le minimum. Enfin, je vais pas aller jusqu'à les mettre en très bon, mais pour une équipe invitée, c'est quand même costaud. Ce qu'ils ont fait, ils se sont montrés, ils ont fait ce qu'on attend d'une équipe qui est invitée sur le Tour de France. Donc, je Ouais, suis moi d'accord. je suis d'accord, vu les attentes, c'est normal quoi. Ouais, Tu les après, mets moi, devant l'auto largement. j'aime Hein. pas Ouais, mal moi je les mets pour eux. devant l'auto. C'est que en tant qu'équipe invitée, je trouve qu'ils ont pas des fois des étapes de plat où ils ont pas assez montré le maillot, mais bon, c'est juste le petit point noir. Ouais, Après, sinon, normal, franchement, c'est mérité. Ouais. vous êtes vachement dur avec eux. Chapeau tatillon, j'avoue. Moi, je m'attendais vraiment bien loin par rapport à ce qu'ils ont fait. Là, ils ont fait. Enfin, c'est pour ça que. Pour moi, ils sont très bons par rapport à ce qu'on a tenté d'eux, mais on va pas les mettre en très bons parce que bah, leur Tour de France, factuellement, il n'est pas très bon. Mais Johannessen, malgré le fait qu'il revenait bah, de blessures et tout, il fait un super Tour de France. Alors ok, de toute façon, il visait pas le général, hein, donc son général est pas ouf. Christophe rate son Tour de France, mais sinon, tout le reste de UnoX hier quand même, ok il se loupe tactiquement, non avant-hier il se loupe tactiquement, mais bah, ils sont quand même 4 UnoX, c'est eux qui ont le poids de l'échappée quoi, enfin c'est UnoX quoi, on ne sait pas non plus, c'est pas Jumbo-Visma quoi, donc bravo pour leur Tour de France et j'espère qu'on les reverra l'année prochaine. Ouais. Et puis Là, je voilà. regarde quand Toi, même tu pour finir. veux pas inviter une autre avec Pour Arrêtez, finir, tu là, veux ils pas inviter doivent une avoir autre quand avec même. Ils doivent être une dizaine de top 10 hein, quand même sur Tour de France. Donc c'est bien la preuve qu'ils étaient là quand même sur une bonne partie des étapes. Bah ouais, franchement, ils font. Enfin, pour moi, ils sont même devant Total. Hein. Enfin, ils font un tour pour une équipe invitée, c'est magnifique. Bravo à eux. Ouais, après, Total a quand même fait des vraies bonnes places d'honneur, quoi, je Bah trouve. eux aussi, justement. Ah bon, ils Bah, ont. Johannessen Johannessen fait troisième, hein, fait un top 3 quand même. Ouais, bon. Moi, je trouve que comme ça, c'est pas trop trop mal. Je sais pas s'il y a des trucs que vous voulez Non, vraiment moi aussi. changer. Bon, ça fait mal de voir FDJ aussi bas, mais. Ouais, moi aussi. Mais bon, c'est un peu plus pour. Voilà, pour souligner. Voilà, ils se sont ratés, ça arrive. Mais bon, l'important, c'est d'avoir à rebondir. Ils ont Oui, de toute l'effectif façon, pour. Hein. ça sera pas pareil à la Vuelta, moi je vous le dis. Voilà, exactement avec les GOAT, Lenny Martinez et Romain Grégoire. Mais on en reparlera. Et puis bah du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Puis voilà, le Tour de France est fini. Mais nous, on se donne rendez-vous bah, voilà, dans les prochaines semaines pour continuer à parler de cyclisme. Il y a plein de trucs qui arrivent, on a plein d'idées de vidéos, donc restez connectés. Salut les GOAT. Salut. Salut.